Good morning, allez, Iden, et tu sois aujourd'hui le Nishmat Avraham, Mordechai, Ben Yitzhak, Vefani, Dvora, Bat Esther, David, Ben Fortuna, Mazal, et Tamar, Bat Monique, Assouline, née sous sang. Si vous souhaitez aussi déjà une prochaine, tu ne me cherches pas contacter de sa communauté éternelle. Nous étions à Massar Kubot, Ferikbet, Mishna Zain. Vechen, Shne Anashim. Ze Omer, Kohenani, Veze Omer, Kohenani. Enanemanim, ou bisman shehen me'idin ze, arei elou ne'emanin. En rapport avec la Mishnah précédente, qui elle-même était en rapport avec la Mishnah précédente, qui elle-même était en rapport avec la Mishnah précédente. Vous avez vu comment ça se passe dans la Mishnah, oui, on a déjà l'habitude. On ouvre un sujet, c'est l'occasion de parler d'un autre sujet semblable, et puis du coup, on passe à un autre encore. Concrètement, avec la Mishnah précédente, on avait appris en fait quelque chose d'important que deux choses. Tout d'abord, il y a des situations où il faut un témoignage sur une personne pour témoigner de son caractère de cachère, de Cohen, comme on va voir tout de suite, et qu'une personne ne peut pas témoigner sur soi-même. Et on a vu dans la Mishnah, en l'occurrence, il y avait les femmes dans la Mishnah précédente, c'était les deux femmes qui ont été prises en captivité. Chacune revient dans la captivité, elle nous dit qu'elle est restée propre, elle n'est pas crue. Mais si elle nous dit qu'elle est restée propre, qu'elle est restée propre et que sa copine aussi est restée propre, c'est-à-dire que maintenant on a un témoignage d'un témoin sur une, même d'une femme, ça marche pour témoigner pour la captivité. Ça, c'est la Mishnah précédente. On a le même principe maintenant avec des Kohen, deux personnes qui débarquent et qui nous racontent que deux hommes qui viennent, Zéomer Kohen Ani, Zéomer Kohen Ani. L'un vient nous dit moi je suis un Kohen, l'autre vient nous dit je suis un Kohen. Pour pouvoir décréter que quelqu'un est Kohen, il faut nécessairement des témoignages et ils ne sont pas crus. D'accord? Il n'y a pas quelqu'un qui vient qui est Kohen. Du coup, il va se mettre à. Bon, alors qu'il va se dire qu'à toi, c'est son problème à lui. Peut-être qu'au pire maximum, il fait une là, c'est son problème personnel. Même si ça. Bon. Mais en tout cas, on va pas lui donner la tourma, c'est surtout là l'essentiel. Vous avez un pidyon à faire, vous n'allez pas l'inviter à lui. Parce que qui dit qu'il est Cohen? Lui, il nous le raconte. Peut-être c'est un super escroc. D'accord? Donc on ne le croit pas. Par contre, Obisman, Shen, Meidin, Zezé, par contre, s'ils vont se témoigner l'un pour l'autre, eh bien dans ce cas-là, Are Elun et Emanim, ils seront crus. Parce qu'en fait, les deux, ils arrivent. Et moi, il dit, chacun il dit, moi je suis Cohen, mon ami aussi il est Cohen. Et l'autre il dit la même chose. Alors il s'avère que maintenant, chacun il témoigne sur son copain. Et un témoin suffit pour décréter sur quelqu'un qui est Cohen dans la mesure où nous n'avons pas pour le moment lieu de soupçonner le contraire. D'accord? Donc ça rejoint la Mishnah précédente. Et en fait, la prochaine Mishnah, Chet, elle va compléter cette Mishnah parce qu'en réalité, on va découvrir que ce qui a été écrit dans la première Mishnah, c'est un avis. Et on va découvrir qu'il y aura là-bas 3 ou même 4 avis dans la prochaine Mishnah. Pour discuter sur ça, dans quelles circonstances exactement est-ce qu'on croit, on va croire un témoin pour témoigner sur son copain ou pas. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov.